Shalom, 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 peuple de Dieu. Je suis l'homme de Dieu Moïse du Réveil International Jésus revient. Je suis de la section de Bassam, mais je suis de Eyania à Boisseau. Eyania à Boisseau. Alors, nous sommes ici à la Palmeraie. C'est à la Palmeraie que nous travaillons, vous voyez ce beau paysage. Oui, c'est les œuvres du Seigneur Jésus. C'est intéressant comme ça. C'est l'air pur que nous respirons ici. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Alors, je vais vous faire ce témoignage pour que ceux qui vont écouter mon témoignage soient transformés. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le vrai, je dis bien le vrai Jésus-Christ, le vrai Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore reçu le vrai Jésus-Christ, tu es encore enchaîné. Il y a Jésus-Christ qui est là, que tu prononces son nom, mais tu es toujours dans les chaînes. Tu es toujours dans les chaînes. Tu n'es pas libéré. Tu pries, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Tu te dis, mais pourquoi c'est comme ça? Pourtant, j'ai accepté Jésus. Bien-aimé, c'est parce que tu n'as pas encore reçu le véritable Jésus. Le Jésus qui dit qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Le livre de Jean 14. Bien-aimé, avant de commencer ce témoignage, je vais recommander cela entre les mains du Seigneur. Mais avant, je vais entonner un cantique qui dit: Ce n'est plus moi qui vis, Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi, en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi, en moi, en moi, en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Alors, avant de recommencer toute chose, nous allons ensemble recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, mon âme te bénit, mon âme te rend la gloire, mon âme te dit merci. Merci pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir dans la vie de tous et de tout un chacun. Merci pour ce moment que tu rends favorable. Merci pour ta bonté. Merci pour tous tes bienfaits, ô Jésus. Avant de commencer ce témoignage, je recommande tout entre tes mains. Viens, Seigneur, me diriger par la parole. Viens prendre contrôle de toutes choses. Fais qu'à travers, Seigneur, ce témoignage, tous ceux qui vont m'écouter soient vraiment dans le bain de changer de comportement, d'être transformés. Éternel Dieu, Père, car je sais que quelque part il y a certaines personnes qui ont besoin de ce témoignage afin d'être édifiées. Et Seigneur, viens et prends contrôle de toutes choses. Prends contrôle de ce moment. Prends contrôle de tout ce qui va sortir de ma bouche. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance au siècle à jamais. Merci Seigneur. Amen. Alors, bien-aimés, j'étais catholique. Quand tu n'as pas encore trouvé le véritable Jésus, vraiment, ce n'est pas facile, c'est difficile. Bien-aimé, j'étais catholique. J'ai vécu pendant plus que 40 ans dans le catholicisme. C'est-à-dire que je suis né dedans. Je suis né dans le catholicisme. J'ai trouvé papa catholique, maman catholique. Et nous tous, nous étions catholiques. Et je disais que j'allais vivre catholique, j'allais mourir catholique. En tout cas, les parents nous faisaient savoir que le catholicisme, c'est une religion, non. Où c'était le las?
À part cette religion-là, il n'y en a plus encore au monde. Et comme ça, bon, étant dans le monde catholique où j'ai grandi, j'ai fait enfant de cœur, j'ai été enfant de cœur, j'ai fait scout, j'ai fait la catéchèse, j'ai fait encore la chorale, voilà, j'ai fait la chorale, j'ai fait, en tout cas, j'ai fait beaucoup de mouvements. Dans le milieu catholique, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements. Et tout ça là, je l'ai fait. Et j'étais zélé. J'étais vraiment zélé, 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 zélé. Je les faisais avec le zèle, croyant que, oh Seigneur, ta grâce. Alors, c'est ainsi que, avant de commencer, un jour, j'étais en train de prier. J'aimais beaucoup prier. J'aimais beaucoup prier. J'étais en train de prier et j'ai vu le Seigneur Jésus qui était au mur sur la croix. Et c'était sous forme d'une vision. À ce moment, je m'étais réveillé à 6 heures et j'avais commencé à prier pour dire merci au Seigneur pour le sommeil qu'il m'a donné. Et lorsque je priais, bien-aimé, étant, il y a vu Jésus qui était sur la croix comme ça. Le Jésus qui est adoré à l'église catholique. Voilà, Jésus le blanc qui est adoré à l'église catholique. Il était sur la croix, il m'observait et je l'observais aussi. Je ne lui ai pas dit un mot, il ne m'a rien dit non plus. Et lorsque mes frères ont commencé à tourner à côté de moi, parce que c'était une chambre où nous tous on dormait, et c'est moi, je m'étais réveillé, pour, puis je priais. Je vois comme ça une personne qui a commencé à rentrer dans la chambre, et puis le scénario a disparu. Et lorsque le scénario a disparu, j'ai couru dehors rapidement pour raconter à ma mère, voici ce que j'ai vu. Et lorsque j'ai dit ceci à ma mère, ma mère me dit que non, c'est un rêve que j'ai fait. Ce n'est pas une vision, je n'ai rien vu, mais c'est un rêve. J'ai insisté, elle n'a pas cru. Elle n'a pas cru, bon, d'accord, on a pris ça comme ça. Je vivais toujours, j'ai été enfant de cœur. Bien-aimé, il était arrivé à des moments où, étant enfant de cœur, lorsque, étant enfant de cœur, j'ai eu à faire des découvertes. Qui, où moi-même j'ai commencé à tiquer et j'ai commencé à me demander pourquoi c'est comme ça. Je prends l'exemple d'un caillou qui se retrouve au milieu de l'autel. Un caillou, je dis bien un caillou qui se retrouve au milieu de l'autel. Et j'ai commencé à me poser des questions. Ce caillou-là, il cherche quoi ici? Ce caillou-là est adoré ou bien c'est quoi? Bien aimé, on avait un responsable des enfants de cœur qui disait que ce caillou-là, c'est un caillou, on appelle ça la pierre précieuse. C'est une pierre qui est vraiment précieuse. C'est une pierre qui a été déportée depuis Rome ou bien bon, pour venir ici. Donc, c'est un caillou spécial. Si soit l'église est en train de brûler ou bien s'il y a un problème au niveau de l'église, tu prends ça, plus la maison de la communion. Tu prends la maison de la communion et puis tu t'en vas remettre ça au prêtre. C'est ce qui est encore plus important. Je dis, mais ce caillou, j'ai commencé à me demander, alors que la parole de Dieu dit de ne pas adorer ce genre de choses, mais comment se fait-il que ça y est ici? C'est la question que j'ai commencé à me poser. Et mais quand je, comme j'étais encore enfant, bien-aimé, cette parole-là, je vais adresser ça à qui, je ne sais pas. On était des enfants, bon, on se suivait, il n'y a pas de problème, on s'en va seulement. Voilà ce que j'ai découvert. Qui m'a semblé flou. Bien-aimé, chemin faisant dans le catholicisme, je découvrais des choses que moi-même, quand je vois ça, je tique. Je dis, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Mais c'est à nous aller. On roule seulement, on roule haut, on roule. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire à son ami que non, ce que tu as fait là, c'est faux. Ce que tu as fait là, c'est pas comme ceci. Ce que tu as fait là, c'est pas comme cela. Mais on roule seulement. On vivait comme ça, dans le péché, dans la débauche. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire comme ceci à son ami. Bien-aimé, j'ai fait dans ça, après la catéchèse, j'ai fait la première communion. Vous voyez? Si on fait la première communion, c'est que à ma naissance, j'ai été baptisé. Donc, je fais la première communion. Quand j'ai fait la première communion, j'ai pris la communion. Première qu'on appelle première communion. Après la première communion, on vivait toujours dedans.
comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et j'ai même fait, comment on appelle, j'ai même été au groupe du renouveau charismatique. Bien-aimé, étant dans le groupe même du renouveau charismatique, quelque chose m'a semblé bizarre encore. Le parler en langue, dans le groupe du renouveau charismatique. Mais bien-aimé, lorsque je suis arrivé au groupe du renouveau charismatique, il était arrivé un jour où on dit qu'on doit apprendre à parler en langue. J'ai tiqué ce côté-là encore. J'ai dit, mais Seigneur, me suis dit ça dans le cœur. J'ai dit, mais Seigneur, parler en langue. Mais c'est toi qui inspires l'homme, non? Et puis, il fait sortir des paroles en langue. Mais pourquoi est-ce qu'on va aller apprendre? Mais bien aimé, je vous assure, on était assis en rang. Et puis on apprenait à lui parler en langue. Et celui qui nous apprenait, il dit, toi, il faut faire arabarabarabarabara, arabarabarabarabara, à tour de rôle, à tour de rôle, à tour de rôle. Bien aimé, lorsque c'est arrivé à mon niveau, non, ça ne m'inspirait même pas du tout de faire se parler en langue là, d'apprendre. Et automatiquement, c'est venu à mon cœur que ça là, c'est un mensonge. C'est un mensonge, se parler en langue. On n'apprend pas à parler en langue. Mais c'est le Saint-Esprit qui donne. C'est le Saint-Esprit. Alors, bien aimé, j'ai tiqué là encore. Bon, comme il n'y avait personne pour nous éclairer, clair, 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 on a passé encore. J'ai passé. Je vivais toujours dans l'ignorance. Et voilà que, un autre jour encore, je suis venu ici à Eyania. Eyania, c'est dans le groupe Eyania que j'ai été transformé. Mais je vais vous raconter comment est-ce que ma transformation a été. Si je dis je vais beaucoup rentrer dans les détails, nous n'allons pas finir. C'est très long, c'est très long. Mon histoire est longue. Alors, bien-aimé, lorsque je suis arrivé à Eyania, mon carnet du baptême que j'avais accroché dans ma chambre, ce carnet de baptême a été bouffé par une souris. Il a bouffé ça jusqu'à rentrer au milieu. Et lorsque j'ai aperçu ça, aïe, j'avais sur le cœur, ça me faisait très mal. J'ai dit, pourquoi est-ce que dans tous mes papiers là, tu n'as pas vu? Et puis c'est dans mon carnet de baptême, tu t'en vas manger. C'est mon carnet de baptême, tu t'en vas manger. Pourquoi? Aïe, ça me faisait tellement mal que je comptais renouveler. Renouveler. Je dis bien renouveler. Bien aimé. Mais ça a mis du temps. Ça a mis des années avant que je ne passe au renouvellement. Mais je n'ai pas pu renouveler, bien aimé. Malgré le temps que ça a mis. Parce que le Seigneur sait de quoi il s'agit. C'était des signes pour moi, pour me dire que lui, il n'est pas dedans. Bien aimé. Comme l'a dit les Écritures, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien aimé, étant à Eyania, j'étais encore zélé pour les mouvements, zélé à l'église. J'étais responsable de chorale. Bien aimé, et la chorale, ça marchait. Ça marchait. Mais il s'est trouvé un jour que il y a le groupe du renouveau charismatique qui est venu pour prier avec nous ici à Eyania. Lorsque ce groupe est venu, au cours de la messe, bien-aimés, ils ont fait une petite pause pour que le groupe du renouveau charismatique puisse prier, donner sa prière. Et lorsque ça a commencé, bien aimé, j'étais arrêté là. Et il y a une voix douce qui me dit que tu vois, toutes ces manifestations qu'ils sont en train de faire,
je ne suis pas dedans. Pendant ce temps, bien-aimé, il y a des gens qui étaient habillés, des femmes, qui étaient surtout des femmes, qui étaient habillées en mèches, en pantalon, en bras, je ne sais pas comment, en chérie, regarde mon dos, je ne sais pas, des tenues vraiment qui ne glorifient pas Dieu. Des tenues, même quand tu vois, même là, ça fait. Bon, non, c'est pas bon, c'est pas bon. Bien-aimé. Et lorsque cette voix-là me disait que tu vois toutes ces tenues-là, je ne suis pas dedans. Que je ne suis pas dedans. Les manifestations, ça crie, ça tombe. Oh, on fait sortir, dehors, on prie, et puis ça passe. Elle revient. Mais c'est le même scénario qui commence, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais bien-aimé, j'étais là, je regardais le berger aussi me regardait. On priait. Et moi, j'ai cru qu'il allait voir quelque chose sur moi pour me dire, mais bien-aimé, il y a Jésus et puis il y a Jésus. Hein. Dans tout cela, il n'a pas vu. Lui-même, il était en un pantalon serré. Bien-aimé, toi qui devais donner un exemple, un habillement exemplaire, il était en un pantalon serré, guine pété, avec une veste là. Quand j'ai regardé cela, j'ai dit, ah, toi en tant qu'un berger qui doit donner un bon exemple au niveau de l'habillement, c'est toi qui t'habilles comme ça. Ah, vraiment, c'est bizarre. Mais bien-aimé, au cours de la prière, il n'a rien vu. Jusqu'à ce qu'on finisse de prier. Et lorsque je suis sorti, c'est fini. Je n'ai plus mis pied à l'église catholique. Regardez comme ça. J'ai rencontré un bien-aimé qui est aujourd'hui mon père dans la foi, du nom de Élie. Je bénis le nom du Seigneur de m'avoir croisé, d'avoir croisé hein, vraiment cet homme de Dieu sur mon chemin. C'est lui vraiment qui m'a montré là où je devais marcher. Bien-aimé, cela m'avait été déjà dit depuis où j'étais allé au Burkina. J'étais allé au Burkina un jour, et puis il y a des prophètes, il y a un prophète qui a eu à me parler, qui m'a parlé de cela, et c'est ce qui a été, hein, c'est arrivé. Et lorsque j'ai croisé, que j'allais croiser un tel type qui allait me mettre sur le vrai chemin, à ce moment j'étais encore dans le catholicisme, lorsqu'il a dit ça, j'ai tiqué, j'ai dit, ah, mais est-ce que le chemin que j'ai pris là, ce n'est pas le vrai chemin? Je pense que c'est le vrai chemin que j'ai pris. Et puis, ah, vous dites que c'est pas le vrai chemin. C'est ce que j'ai dit dans mon cœur. Je ne lui ai pas dit ça ouvertement. J'ai dit comme ceci dans mon cœur. Et finalement, j'ai vu. Et ce dernier, lorsque je l'ai croisé, c'est lui qui s'est approché de moi. Il m'a dit que, ah, tu vois, le milieu catholique là, vraiment, c'est un milieu où le Seigneur n'est pas dedans. Mais je ne voulais pas comprendre. Je ne voulais pas comprendre. Pour moi, c'est le las j'avais eu comme ça. C'était le las j'avais eu, je vous assure. Mais bien-aimé, le Seigneur a tout démontré. Il m'a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que vous faites là, ce n'est pas biblique. C'est des hérésies. J'ai dit, c'est ça, on va voir. J'ai dit ça dans mon cœur, c'est ça, on va voir. Je n'ai pas dit ça ouvertement devant lui. J'ai dit, c'est ça, on va voir. Et il m'a dit comme ça, une chose il m'a dit. Il m'a dit que si tu appliques ce que je t'ai dit là, ce n'est pas moi-même qui va te dire de laisser le catholicisme, mais tu finiras par abandonner le catholicisme. Il dit, c'est ce qu'on va voir. D'accord, il n'y a pas de souci. Et on vivait comme ça. Mais il est arrivé un jour où j'étais en train de dormir. Dans mon sommeil, ce n'était pas un sommeil en tant que tel. Lorsque je suis allé me coucher, bien-aimé, le Jésus que nous adorons à l'Église catholique, ce n'est pas le véritable Jésus. Bien-aimé, cette image qui est représentée dans les églises catholiques, c'est l'image de l'acteur
Robert Powell. Voilà, un Italien du nom de Robert, ou bien un Américain du nom de Robert Powell. Bon, je ne sais pas si c'est un Italien ou bien un Américain, mais sache que c'est un blanc du nom de Robert Powell. C'est celui-là même qui est représenté dans les églises catholiques. Hein? Son image est représentée. Et puis, on adore cette image-là en pensant que c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, ce n'est pas Jésus-Christ. Voilà qu'un jour, j'étais couché. Lorsque le sommeil a failli me prendre, je vois l'image en question même. Parce que moi, je ne faisais plus le chemin, ce qu'on appelle le signe de la croix. Je ne faisais plus le signe de la croix. Lorsque j'ai rencontré ce bien-aimé-là, je ne faisais plus ce bien-aimé Élie-là. Je ne faisais plus le signe de la croix. Il dit, c'est ce que... Lorsque je n'ai pas fait le signe de la croix, je suis allé me coucher. Et je vois comme ça l'image de Jésus-Christ de Nazareth que nous adorons là est venue sur moi. C'est comme si l'image même s'est déplacée pour venir sur moi, pour venir m'appuyer, pour venir m'étouffer. En fait, l'image m'étouffait comme ça. Je me suis débattu, 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 et je me suis levé. Et lorsque je me suis levé en vitesse, j'ai dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un cauchemar. Bon. Et je me suis couché. Une deuxième fois, ça s'est répété. J'ai dit, ah, mais il y a un démon dans cette maison. Comment Jésus? Non, c'est pas ça. Ça ne peut pas être Jésus-Christ qui va venir m'attaquer comme ça. J'ai prié, j'ai prié. Et lorsque j'ai prié, j'ai dormi. Rien ne s'est passé jusqu'au petit matin. Et j'ai gardé ça pour moi seul. Dedans, dans mon cœur, j'ai gardé ça pour moi seul. Père bien-aimé, sache que il y a un temps pour toutes choses. Il a choisi un jour encore qu'il est venu. Et lorsqu'il est venu, bien-aimé, il est venu cette fois-ci beaucoup. L'image en question s'est multipliée. Ils étaient autour de ma tête comme ça, entourés. Ils étaient entourés comme ça. Et ils ont commencé à m'étouffer. L'image a commencé à m'étouffer comme si on me serrait le cou. Bien-aimé, c'était pas... Non. J'ai commencé à transpirer, à me débattre, à me transpirer. Je veux me lever, mais je n'arrive pas. Je vais faire comment? Je crie, on n'entend pas. Voilà. Oh! Mais bien-aimé, quand j'ai réussi à me lever, pas, il dit, hey, photo là, toi tu veux quoi même? Il y a quel problème? Toi Jésus, tu viens moi m'attaquer. J'ai fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai commencé à me rappeler de ce qu'on m'avait dit au Burkina, de ce que l'évangéliste Élie m'avait parlé. L'homme de Dieu Élie. J'ai commencé à me rappeler de cela. J'ai tiré l'image là, tout doucement. J'ai mis ça de côté. Je n'avais plus la tête tranquille. Parce que je vois que là où nous sommes arrivés là, le temps est arrivé où il faut permuter, il faut quitter le milieu catholique. Oui, il faut quitter le milieu catholique. Bien-aimé. Et voilà encore un jour où je dormais et je vois cette fois-ci la croix de Jésus qui est dessus comme ça. Donc je me suis retrouvé, là ça c'était en rêve, ce n'est pas une vision, en rêve, où je me suis retrouvé à la zone de Sakassou. Sakassou c'est ma ville natale, c'est là-bas que je suis né. Là-bas je suis né. Dans ma ville natale, je me suis retrouvé, on était en train d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité, dans la grande église de Jésus-Christ même, pardon, l'église catholique. Au moment où on adorait le Seigneur, on faisait les adorations, tout le monde est resté silencieux. Et je vois comme ça le Seigneur Jésus qui est descendu de la croix. Mais il est descendu comment? L'endroit où il a été percé, son côté qui a été percé. Je vois le petit Jésus de
12 ans, qui enseignait dans le temple. Comme il est descendu de son côté percé, il a marché sur sa jambe et il est descendu. Et lorsqu'il est descendu, bien-aimé, il se dirigeait vers la foule. Tout le monde s'est levé. Moi, j'étais au milieu de la foule quelque part là-bas. Tout le monde s'est levé, voulant aller lui faire une accolade. Et lorsque les gens ont commencé, Jésus arrive, Jésus arrive, Jésus arrive, apprêtez-vous, il arrive, il arrive. Toute personne qui veut lui donner l'accolade, il dribble. Il était en tout blanc, une blancheur. Il arrive, celui qui veut lui donner l'accolade, il dribble. Il dribble, il dribble, il dribble, c'est comme ça. Donc, il a dribblé, 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 dribblé tout le monde. Lorsqu'il est arrivé à mon niveau, j'ai dit, oh, c'est chez moi, il vient. C'est chez moi, il vient. Et moi aussi, j'ai commencé à m'apprêter pour l'accueillir à bras ouverts. Et lorsqu'il est arrivé à mon niveau, j'ai dit, je vais l'attraper. Quand je l'ai fait comme ça pour dire que je vais le serrer contre moi, bien-aimé, je vois comme ça. Fou, une force qui vient rentrer en moi. Je sens une force qui rentre en moi. Et en même temps, j'ouvre les yeux. Et lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai commencé à me toucher. J'ai commencé à me toucher. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai vu là, Seigneur? Ça là, je vais prier comment encore? Toi qui es venu rentrer dans moi. Seigneur. J'ai dit, je bénis ton nom. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. C'est dans Seigneur, merci, Seigneur, merci. Je me suis réendormi encore jusqu'au petit matin. Mais bien-aimé, lorsque j'ai raconté tout cela à l'homme de Dieu qui était avec moi, qui me côtoyait, bien-aimé, beaucoup de choses, il m'a dit, il m'a exhorté, il m'a encouragé. Mais bien-aimé, finalement, je vous le dis, j'ai laissé le milieu catholique parce qu'il n'y avait pas la vérité dedans. Et c'est le Seigneur lui-même qui est en moi, qui est venu entrer en moi. Le Seigneur m'a déjà parlé. Il a dit qu'il est en, c'est lui qui est en moi. Parce que quand j'étais dans le milieu catholique, j'ai vu comme ça qu'un jour, il y a un nuage qui s'est détaché du ciel et qui est descendu sur ma tête. Et lorsque c'est descendu sur ma tête, j'ai ressenti une force. Mais je ne savais pas ça veut dire quoi. Ça veut dire quoi, je ne sais pas. Mais je vivais comme ça. Je vais demander à qui va me donner cette explication. Oh, c'était un appel du Seigneur. Ou moi, je ne savais pas. Lorsque encore j'étais à l'église catholique, l'odeur de l'encens, ce qu'on appelle l'encens, l'odeur de l'encens, quand je sens, il était arrivé un moment où quand je sens l'odeur de l'encens, ça me donnait la nausée. Ça me donnait des nausées comme ça. Et moi, je me disais que, en tout cas, comme j'ai la nausée là, peut-être que j'ai besoin de délivrance. Je sais que quelque chose ne va pas en moi. C'est que j'ai besoin de la délivrance. Par contre, tout ça là, c'est faux. Le Seigneur même était en train de me parler que ce milieu-là, ce truc, ce qu'on appelle encens, au fait, c'est des choses qu'on utilise. Tous ceux qui respirent l'encens là, c'est un envoûtement, au fait. Je vais vous poser une question. Dans les parcours de Jésus là, depuis quand Jésus, communément dit comme ça, depuis quand Jésus a utilisé encens pour chasser un mauvais esprit, ou bien pour embaumer une maison pour faire délivrance, ou bien pour faire quoi que ce soit. Dites-moi, dans quelle lettre ils ont dit que Jésus, dans quel livre ils ont dit que Jésus a utilisé encens? Bien-aimé, tu vas me dire que non. Quand il était né là, les rois mages ont donné la myrrhe, le parfum, et puis quoi encore? L'encens. L'encens, là, ils lui ont donné ça. Bien-aimé, c'est depuis quand Jésus a utilisé l'encens. C'est depuis quand il a utilisé la myrrhe. C'est depuis quand il a utilisé même l'argent.
entre nous. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Tout n'est pas utile. Il n'a rien utilisé. Aucune écriture ne montre qu'il a utilisé. Le fait, le signe de venir donner. On dit les rois mages sont venus de l'Orient. Il a accepté. C'est un symbole. La parole de Dieu, c'est un mystère. On finit jamais d'approfondir, de connaître ce mystère-là. Non, ce n'est pas possible. On ne peut jamais, jamais, jamais finir de connaître. Alléluia. On ne peut jamais finir de connaître ce mystère. Ils sont venus de l'Orient. Jésus ne les a pas refoulés. Il les a acceptés. Ça veut dire que ceux qui sont de l'Orient, les Arabes qui sont venus là, ça veut dire que le monde musulman là, venez à Jésus. Jésus va vous recevoir, quel que soit, coûte que coûte. Il va vous recevoir. Jésus là, à bras ouverts, lui, il est là. Il a pris ces choses-là. Il n'a pas utilisé, il n'a pas pris ça pour chasser les démons. Aucune écriture ne dit ça dans sa parole. Faisons beaucoup attention. Sinon, le diable va nous berner. Le diable va nous renverser. Et il est prêt comme ça pour nous renverser. Et il nous renverse même sans qu'on le voie dedans. C'est le jour de notre appel où le Seigneur va nous dire, viens me rendre compte. Nous sommes tous des passagers sur terre. Viens me rendre compte. Il a dit que non, j'étais au catholique, j'étais prié. Hein, c'est moi, j'étais adoré. Matin, midi, soir, je partais à l'église. Finalement, il va te dire que je ne te connais pas. Il a dit ça dans ses écritures. Il a dit que ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, 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 qui vont hériter du royaume des cieux. Mais c'est ceux qui vont le servir en esprit et en vérité. Il dit bien, et en vérité. Bien-aimé, il s'est dépouillé. Quand il est venu là, il s'est dépouillé. Mais toi, catholique, est-ce que tu es dépouillé? Il faut te poser cette question. C'est la question qu'il faut te poser. Est-ce que tu es dépouillé? Dans le livre de Hébreux 14. Hébreux 12, les versets 14, pardon. Il dit, recherchez la paix avec tous. Sans la sanctification, personne ne le verra. Nul ne verra le Seigneur sans la vie de la sanctification. Catholique, est-ce que tu t'es sanctifié? Est-ce que tu recherches vraiment la voie de la sanctification? On ne faisait que, quand moi j'étais là-bas, je ne faisais que vivre parce qu'il faut vivre. Il n'y a pas d'interdit. Allez, à nous aller. On buvait parce qu'il faut boire. On s'habillait parce qu'il faut s'habiller. Bien-aimé, il y a des choses que toi tu as aimées. Que tu as aimées. C'est vrai, mais tu n'es pas censé aimer tout. Tu ne dois pas aimer tout. Malgré que tu aimes, fais l'effort de laisser. Lorsque le Seigneur Jésus a dit, il était avec ses disciples, il a dit que, il y a un disciple qui a dit que non, Seigneur, on ne sait pas prier, il faut nous apprendre à prier. Il a dit quoi? Il a donné le formule de notre Père, qui est récitation aux catholiques. Notre Père qui est aux cieux. Finalement, il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté, dites, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que la volonté de Jésus, lui, Jésus, soit faite sur la terre comme au ciel. Il dit bien sur la terre comme au ciel. Lui, sa volonté là, c'est quoi? C'est le dépouillement. Il faut te dépouiller. Lui-même, il allait jusqu'à la croix. Il s'est donné pour toi. Il s'est dépouillé pour toi. Mais est-ce que tu es dépouillé? Peut-être que tu vas me demander, on se dépouille comment? Bien-aimé. Le Seigneur va te dépouiller. Prie, fléchis genoux, demande-lui. Si ce que je suis en train de te dire là, c'est faux, le Seigneur va te révéler. Mais je vais te dire une chose, ne fais jamais le signe de la croix. Ne fais jamais le signe de la croix avant de prier. Si tu veux rencontrer le véritable Jésus, ne fais jamais le signe de la croix. Parce qu'en faisant le signe de la croix, c'est des démons que tu invites. Et c'est ceux-là même qui se présentent. C'est ceux-là même qui vont se faire comme Jésus. Ils vont jouer le rôle de Jésus. Tu vas croire que c'est Jésus-Christ. Pourtant, ce n'est pas lui. Ce n'est pas Jésus-Christ. Depuis quand, dites dans ses paroles, dites-moi, dans quel livre il est écrit que lorsque Jésus guérissait des malades, voilà, il a fait le signe de la croix et puis il a commencé à prier. Lorsqu'il passait dans les... en bordure du fleuve, du lac, quand il a vu la foule, il a tapé le signe de la croix et puis il a commencé à les enseigner. C'est quelle écriture qui dit ça?
signe de la croix. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique, c'est une hérésie. C'est des gens intelligents qui se sont mis au-dessus de tout, qui disent qu'ils connaissent tout avec les grosses robes. Et puis, ils ont déposé ça en haut. Bon, ça y est là qu'on fait le signe de la croix avant de prier. Et tous ceux qui sont en bas là, et tous là, ils ont pris ça. Non, il faut faire le signe de la croix avant de prier. Mensonge. Va, sonne les Écritures. Lisons la parole de Dieu. Bien-aimés, lisons la parole de Dieu. Le Saint-Esprit là-même, là, il va t'enseigner. Si tu ne connais pas ce qu'on appelle le dépouillement, là, fléchis genoux. Il ne faut pas faire, ne fais pas le signe de la croix. Ne fais pas le signe de la croix, je te dis.